Basé à quelques centaines de mètres de la basilique de Saint-Hubert, le cimetière Saint-Gilles entoure l'église du même nom, datant du 19e siècle. Ce cimetière dénombre pas moins de 50 tombes pouvant être considérées comme de véritables œuvres. Leurs auteurs sont connus vu que certaines pièces sont signées Sander, Bastogne, Kiefer, mais aussi Goebbels ou Stark. Avec la pierre de schiste de Martelange, la pierre calcaire ou encore la fonte comme matériau utilisé, ces œuvres reflètent la sensibilité propre à cette époque, à laquelle se joint la tonalité romantique et sentimentale que connaissent les œuvres religieuses du 19e. Leur manière de traiter la surface d'un monument funéraire rompt avec les œuvres antérieures. Leurs productions sont quasi picturales, comme s'il s'agissait de tableaux ou d'images. Ceci est notamment visible sur les dalles, où la surface entière ne fait plus de distinction entre le texte et l'image, l'un s'intégrant à l'autre dans une composition unique. De ces compositions ressort le motif principal, l'épitaphe ou son support. Sur les pièces présentes à Saint-Hubert, symboles et personnages convergent vers la stèle ou le devant de la dalle, le tout étant pris dans un large encadrement représenté par un saule ou un autre arbre. La symbolique de ces œuvres, souvent sculptées que d'un côté, est riche en signification. Ainsi, on retrouvera par exemple une croix pour la résurrection, un cœur pour l'amour, un flambeau pour la vie ou des os pour la mort. Ce riche vocabulaire iconographique est accompagné de renseignements plus précis comme un exorte ou l'identification des défunts. Difficile pourtant de dater avec précision ces réalisations, les plus vieilles remontant à 1636, les plus récentes à 1863. 200 ans d'histoire donc à travers de nombreuses tombes qui ne témoignent jamais d'une protection de Saint-Hubert envers le défunt, de quoi confirmer l'identité forte propre au cimetière de Saint-Gilles.